Très heureux de vous savoir nombreux branchés sur les antennes d'Hérotélévision pour suivre votre émission Sport Plus, c'est magazine sportif qui est là pour vous informer sportivement et surtout avec le souci principal, celui de décrypter les sujets sportifs qui se sont déroulés au courant de la semaine. Et ben, nous le savons tous que le coronavirus, c'est tout ce qui fait parler le monde entier en général. Et pour ce faire aujourd'hui, nous allons essayer de parler des LSV Club ainsi que de la décision des prise par la FECOFA, des sacrés, le tout-puissant Mazembe champion de la Vodacom League 1. Il faut souligner ici que ces Mazembe sont poursuivants directs qui vont représenter la RDC dans les interclubs de la CAF, en Ligue des Champions, et puis le Dari Club Motema Pembe ainsi que Maniema Union vont représenter la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération. Certes, nous avons des invités des marques, comme d'habitude. David Ndala, vous êtes avec nous dans cette émission, vous êtes journaliste à Digital Congo, membre du desk des sports de Digital Congo. Bienvenue dans cette émission. Et ben, on commence avec vous, avec les sujets des LSV Club. D'abord, parlez-nous du confinement à Kinshasa. Comment ça se passe avec les joueurs? Quel est le climat actuel là où vous êtes? Bonjour Marc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer dans cette émission. C'est une grande première et surtout pour moi de renouer avec le public de l'ICASI. C'est particulier, on ne cessera jamais de le dire. Le monde traverse une situation qui est semblable à une tragédie, c'est un drame. Beaucoup de personnes meurent et toute la raison pour moi de réserver une pensée pieuse à toutes ces familles qui ont perdu les leurs, à toutes ces familles qui ont perdu les êtres chers. Mais maintenant, par rapport à la question, je pense que la situation, on la connaît. Beaucoup de formations ont envoyé les joueurs dans un congé, en tout cas forcé, un chômage technique, parce qu'on ne pratique pas, on ne sait pas à quel moment on va poursuivre le championnat. Et même si l'on a joué une grande partie de la saison, mais il faudra aller jusqu'à la fin, jusqu'à la date du 31 mai, hein, date connue pour la fin de la saison sportive. Et d'ailleurs, beaucoup de formations, beaucoup de directions ont réduit les salaires à moitié en raison de la production qui n'est pas du tout évidente, parce que voilà, beaucoup d'activités sont à l'arrêt, soit encore au ralenti, tout simplement parce que la situation sanitaire a volé la vedette de toute l'actualité mondiale. Et en République démocratique du Congo, on connaît la situation particulière de notre championnat, de son économie, de son budget, et donc de ses finances, pourquoi pas. Donc c'est quand même difficile, et surtout que les formations aussi traversent la même situation. Je pense que sur le plan technique, sur le plan financier, sur toute la structure organisationnelle du football, en tout cas tout est... Quand vous vous imaginez tout simplement l'arrêt ou encore le break de la saison, ça n'a pas été prévu, ce n'était pas en tout cas au menu, ce n'était pas prévu à l'ordre du jour. Donc je crois que c'est une situation exceptionnelle que traversent les sportifs et particulièrement les faiseurs de spectacles, les joueurs qui sont dans une situation beaucoup plus compliquée. On imagine aussi que la psychologie peut être, en tout cas, entamée, le mental, pourquoi pas, parce que imaginez-vous, hein, les sportifs, comment ils vivent en République démocratique du Congo. Donc j'ai même parfois l'impression de les qualifier dans une dynamique des gens qui vivent au quotidien. Donc imaginez-vous que l'on arrête la saison, que l'on arrête le championnat parce que tout simplement il y a une crise sanitaire qui demande à ce que toutes les autorités, tous les responsables consacrent leurs moyens pour résorber la crise. Donc vous imaginez que ce sont les athlètes qui sont secoués. Donc sur le plan mental, sur le plan psychologique, ça doit être un coup de massue, et je pense que c'est pratiquement toutes les structures et même les équipes qui traversent cette situation. C'est particulier. Je me pose la question si les joueurs parviendront quand même à se relever et à aller droit vers l'avant, parce que c'est quand même pire, hein, c'est que le monde sportif est en train de traverser en ce moment. Vous n'êtes pas le seul David Ndala à pouvoir justement être dans cette émission. Nous allons également nous tourner du côté suisse pour prendre Steve Mbala des
RDC Foot, vous êtes justement en direct d'Hero Télévision, Steve Mbala, bienvenue dans cette émission. Certes, la même question vous a été posée, hein, donc nous parlons un tout petit peu des joueurs pendant cette période de confinement. Vous êtes très proche des joueurs congolais, notamment ceux qui évoluent dans des championnats anglais, ceux qui évoluent dans les championnats français. Comment ils se portent pendant cette période de confinement, Steve Mbala, depuis Suisse, vous êtes en train de nous capter. Bonjour à tous les spectateurs de Hero TV, Steve Mbala de Léopard en Freestat. En tout cas, personnellement, je sais que les joueurs en cette période de confinement sont beaucoup plus cloîtrés à la maison, mais s'ils ont l'occasion de pouvoir aller se préparer physiquement avec un coach physique qui puisse leur donner quelques points à travailler, bah, ils le font en fait, parce que dans cette période, il n'y a que ça à faire en fait. Mais je sais qu'il y a des championnats qui vont recommencer très bientôt, comme le championnat du Portugal le 30 mai, Chantenb Manoma et Porto va recommencer le championnat. Je sais que la Suisse aussi va reprendre le chemin du championnat, c'est-à-dire le 11 juin, avec Meshak, Joel Kiasumboa, Anthony Mossi et Timothy Fayoulou. Donc c'est vraiment, pour moi, on doit continuer à vivre, malgré que c'est une période très difficile avec cette pandémie, on doit continuer à vivre. Les joueurs doivent continuer à vivre de leur métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, le championnat français a été interrompu il y a quelques jours. Ça a été interrompu pour la raison en fait, du Covid-19. Ça a été interrompu. On a vu que c'était le champion du championnat de France, de la Ligue 1, pardon. C'est le Paris Saint-Germain. Deuxième du classement, c'est Marseille. Troisième, c'est Rennes. Donc, félicitations. Donc, malheureusement, pour Amiens, l'équipe de Gael Kakuta et d'Akolo descendent en deuxième division. Et Nantes, je crois qu'ils sont au milieu du classement. Nantes au milieu du classement, l'équipe Amoutoussami. Donc c'est pas mal. Et puis après, le championnat d'Allemagne aussi va très bientôt recommencer. Donc on va voir peut-être pratiquement la plupart des championnats, en fait, des grands championnats vont recommencer à huis clos. Mais je sais que dans cette période de confinement, les joueurs sont beaucoup plus à temps de se concentrer, à temps de travailler, quelques points physiques, parce que rester à la maison. Bah, exactement, tu peux prendre du poids, tu peux perdre quelques masses musculaires, tu peux perdre quelques habitudes, donc tu es obligé de garder en fait un rythme en fait de travail. Donc je pense qu'ils le font avec leur coach physique. Donc c'est un peu ça ce que je sais actuellement de nos joueurs, et c'est vrai que certains joueurs profitent de ce moment en fait pour faire des lives dans plusieurs pages connues, dans Léopard Leader, dans leopardfoot.com, dans RDC Football. Donc, RDC Léopard Foot, donc beaucoup de pages sont là avec les joueurs en confinement, en système de live. Donc voilà, d'ailleurs merci à mes confrères, parce que voilà, ils nous font vivre des bons moments en tout cas, donc c'est un peu ça. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Voilà, nous avons également un autre invité des marques. En fait, je pense que tout va bien. Glovic Mpoyo, vous êtes journaliste à Héritage Radio-Télévision. Vous êtes à Kinshasa. Certes, vous suivez de près la situation des joueurs pendant cette période de confinement. Nous sommes en train de parler de l'SV Club, qui est le deuxième représentant de la RDC dans les interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Alors, Glovic Mpoyo, les climats, ça va très bien avec les joueurs et aussi avec l'SV Club, avec un fiston Mayele qui est aussi en direct dans cette émission. Il va aussi répondre quelques questions, multiples questions que vous allez lui poser. Mais sinon, comment se porte la santé des joueurs? Bonjour Marc, bonjour à David Ndala, bonjour à fiston Mayele Sota, bonjour également au coach Jean-Florent Ibengue. C'est encore un plaisir pour moi de retrouver ce plateau de Sport Plus. Et bonjour également à Patient Mutunda, que j'ai failli oublier. Allez, très bien. David Ndala, vous êtes toujours en ligne. En fait, parlant de l'SV Club avec Jean-Florent Ibengue, beaucoup pensent qu'il est arrivé au bout de ses inspirations, de la formation de l'SV Club. Il est temps, bien évidemment, de laisser l'équipe et aussi voir faire autre chose. Hein. Il est en ligne, Jean-Florent Ibengue. On aimerait savoir, est-ce que c'est le moment propice pour penser au mercato au sein de la formation après juste coronavirus? Certes, déjà, le championnat est suspendu, c'est le tout puissant Mazemir Gleber qui est déclaré champion de la Vodacom Ligue 1. Marc, je pense que parler de mercato, ce serait danser plus vite que
que la musique, parce qu'on sait que le mercato en République démocratique du Congo est régulé par une procédure que l'on connaît. Il y a deux fenêtres que l'on ouvre à la date, par exemple à la période de juin, juillet, pour recruter et renforcer les effectifs, mais aussi à partir du mois de décembre, hein, lorsque l'on atteint par exemple la première moitié de la saison. Ce sont les fenêtres qui sont connues. Est-ce que V-Club recrutera après le confinement? Bon, je sais au moins que la direction de la SV Club et la cellule de recrutement travaillent là-dessus, parce qu'on sait que certains joueurs sont annoncés à gauche et à droite, et donc il faudra s'attendre à des départs, mais aussi à des arrivées. Et puis, on voit aussi bien que la manche retour a été très productive du côté de la SV Club. La mayonnaise a commencé à prendre forme et certains joueurs ont réussi quand même à se hisser au haut niveau, notamment Fiston Mayele Kalala, l'ancien de la jeunesse sportive de l'ICA, mais aussi de Simba de Colosi, qui a quand même su se mettre dans le cercle restreint des joueurs comme Jackson Muleka ou encore Vini Bongonga et Mpiana Muzizi au rang des meilleurs buteurs. Donc il faudra attendre. Je pense qu'en tant qu'observateur, c'est possible que la SV Club recrute, mais est-ce que ces joueurs qui seront recrutés seront utilisés pour des matchs à venir, des matchs qui sont attendus? Non, pas du tout. Et donc, je crois que ce sont des joueurs qui seront peut-être recrutés, mais qui attendront le moment venu pour qu'ils soient utilisés. Donc, je crois que tout dépendra aussi de comment la fédération, la ligue, prendront la décision pour soit reprendre, poursuivre, ou encore stopper net le championnat, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi l'arrêt du championnat, parce que les politiques sont en train maintenant de décider par rapport à l'évolution, à la poursuite ou encore à la reprise des différents championnats. Eh bien voilà, Glovic Mpoyo, maintenant avec l'SV Club, il y a des gens qui pensent que, notamment vous pensez vraiment qu'il est arrivé au bout de ses inspirations, c'est de la formation. Maintenant, quel genre de questions que vous pouvez lui poser à cet instant, bien qu'il n'essaie pas de vous répondre directement, mais peut-être dans nos émissions prochaines, il aura à répondre à vos questions, mais quelles sont les grandes questions que vous pouvez lui présenter là afin de s'améliorer? Oui, Marc, il faut savoir, hein, il faut notamment avoir une idée sur ce que représente aujourd'hui la question des recrutements au sein de cette formation de la SVita Club. Est-ce que c'est opportun ou pas? La réponse est tout de suite circonstancielle, parce que on voit tout de suite une formation de la SVita Club qui, à chaque saison, il y a une nouvelle génération, il y a des révélations, il y a des talents qui naissent, révélés par Jean-Florent Ibengué, bien sûr, depuis son arrivée au sein de cette formation de la SVita Club. Quand il faut commenter ou regarder combien de joueurs sont passés aujourd'hui au sein de la SVita Club, qui se sont révélés, des Lema Mabidi, des Firmin Mbele Ndombé et les autres, et regarder aujourd'hui ces ossatures. À chaque saison, s'il en reste quelques-uns, on retrouve tout de suite un Jean-Marc Makoussoumou Nélé qui aussi, des fois, c'est par manque de chance, on peut le dire, hein, sinon on eût été sa blessure. Lui également, c'est reparti. On a de Padou Bompunga qui sont encore là, bien sûr. Mais c'est une formation de l'Aizita Club qu'on reconnaît rétapée au moins à chaque saison. Aujourd'hui, on a vu combien, hein, l'Aizita Club a recruté des Ahmed Touré, des révélations aujourd'hui qui se pointent, de Luzolo Sita ou encore Fiston Maélé qui est là aujourd'hui après avoir vu hein, le poste d'avant-centre peiner assez longtemps l'absence de Jean-Marc Makoussoumou Ndélé. La relève était dure à prendre, mais au finish, on a eu quand même cette génération qui s'adapte de mieux en mieux, en conservant un peu, il faut regarder les récentes prestations de cette équipe, on a senti qu'ils se sont adaptés en une saison, comme l'avait fait cette génération des Firmin Mbele et les autres. Donc, la question du recrutement, si je vais bien sûr y revenir avec des termes clairs, et du côté du comité, est-ce qu'ils auront besoin de refaire l'équipe? Parce qu'on connaît quand même ses habitudes au sein de cette formation. C'est, si on parle de chaque saison, une génération, c'est parce qu'il y a trop de ventes, il y a trop de sorties. Il y a chaque révélation, on trouve une opportunité de l'évacuer, de trouver un peu de l'argent pour les clubs. Mais ce n'est pas une mauvaise politique. Ce n'est pas non plus une mauvaise politique pour certains joueurs pour qui c'est leur donner directement leur chance. Mais la vraie chance, ce n'est pas à donner aux joueurs. La vraie chance est à donner à l'équipe, voire une génération qui s'adapte comme celle-ci
aller maintenant achever le boulot la saison prochaine. Parce que on se souviendra que Jean-Florent Ibengué s'est plaint au cours de son parcours en interclub de la CAF. On a vu une équipe sur qui lui-même ne pouvait même pas compter dans les calculs pour aller plus loin que ce que lui proposaient les talents. Bien sûr, c'est un dénicheur, c'est un révélateur. Il trouve des bons talents qui peuvent s'adapter au plus vite. Mais la question est de l'adaptation. Donc, du côté aussi, s'il faut voir, on est tout de suite d'accord que du côté du staff, il faudra émettre les besoins de se trouver à combler des postes. Mais du côté également de cette formation, du comité dirigeant, on se trouverait des raisons de combler le vide parce que s'il y aura des départs qui sont envisagés à la fin de cette saison ou à la reprise, bien sûr, des activités sportives, on aura tout de suite encore des départs, on aura des vides qui vont se créer, qui vont obliger les staffs techniques à faire la demande ou à chercher tel ou tel autre joueur. Mais quand même, jusque-là, ça va. Moi, je ne crois pas dans la logique des choses que Jean-Florent Ibengué devait se trouver encore de talent à ajouter des joueurs. Bien sûr, il n'en manquerait pas de besoin d'exceller, de trouver mieux que tel ou tel autre. Mais pour l'instant, regardez lors des récentes prestations, l'équipe, on a tout de suite envie de dire que Jean-Florent Ibengué a réussi quand même le pari au cours de ce temps. Regarde de ses débuts avec ses joueurs cette saison, les nouveaux venus, les Ivoiriens à qui on a fait appel et tous les autres. Mais au finish, on se retrouve avec un bloc qui aujourd'hui réussit quand même à être confiant, à avancer après chaque match, tant surbombé, et être sûr de gagner au moins le pari qui leur reste de rester qualifié dans les interclubs de la CAF. Donc, pour moi, en tant qu'analyste, je peux regarder cette équipe de l'AS Vita Club et me dire on n'a pas besoin d'agiter des joueurs. Même une très bonne collection des talents en milieu de terrain, la percussion, il y en a, de la vitesse, de la technicité, voire même du répondant, parce qu'un avant-centre de la carrière de Fiston Mêlé aujourd'hui, on n'en trouve presque pas et on va se poser la question, est-ce qu'il y aura après un conflit Mayele-Makoussou, comme il en avait pendant une certaine période avec Jackson Mouleka au sein du TP Mazembe, qui venait rivaliser Ben Malango dans son en temps de convalescence. Marc, si je peux avoir une question à poser au coach Jean-Florent Ibengué, la question serait de savoir, il y a eu des générations depuis son arrivée, on va parler un peu de son histoire à la tête de la sélection nationale. Il y a eu deux joueurs qu'il a révélés, qu'il a appelés au sein de cette formation. On a vu quand même du talent en 2015, en 2017 et en 2019, malgré tout ce qu'il y a eu, un contrat d'objectif qui a été un piège dont on ne veut pas faire mention, mais dans son parcours. Moi, j'ai toujours eu une question. Est-ce que Jean-Florent Ibengué, y a-t-il un joueur le plus grand que tout ce que vous vous dites dans tous ceux, parmi ceux que vous avez appelés à la sélection nationale, y a-t-il un joueur plus grand que les autres que vous vous êtes dit, celui-ci c'est un coup réussi dans les appels que j'ai fait jusque-là dans la sélection? Et puis d'autre part, si j'ai des questions, Marc, également à poser à Fiston Mayele. Ma question à Fiston est celle de savoir, il y a eu un départ qui a été aussi court qu'un week-end pour Fiston Mayele, au départ dans la saga du départ de Mustapha Vadongo et tout ce qui allait avec. Dans les oui-dire, on a eu écho du départ de Fiston Mayele pour un pays arabe dont on ne voudrait pas citer les noms parce que ce n'est pas vraiment un débat. Mais qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que Fiston Mayele soit revenu et le temps que ça a pris, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas? Et aujourd'hui, Fiston Mayele, comment voit-il sa carrière la saison prochaine? Est-ce que s'il y a une proposition telle qu'il y a trop de tuyaux ces derniers temps entre l'AS Vita Club, l'Europe et le Moyen-Orient, est-ce que Fiston Mayele serait prêt à partir? Merci Glovic Mpoyo, on va partir avec Steve Mbala en Suisse. Je pense que la connexion est toujours très bonne. Alors, avec l'SV Club, pendant cette période de confinement, le mercato, oui, on peut faire le mercato, mais comment vous trouvez, vous jugez le niveau des Jean-Florent Ibengué, justement avec l'SV Club? Oui, pourquoi pas un ou deux ou trois joueurs, ça serait pas mal pour V-Club. Surtout que lors des 4 dernières saisons, on a vendu 25 joueurs. Et parmi les 25 joueurs, il y avait des cadres de l'équipe. Et je pense que la solution, c'est de parfaire en fait la cohésion de l'équipe et de faire le nécessaire qui garde l'osmose dans l'équipe et vraiment quelque chose de bien en fait. C'est très important en fait pour une équipe de se maintenir en fait et de garder le même effectif en fait, de pas trop changer en fait, de pas trop modifier.
Je vais prendre l'exemple de Mazembe, parce que Mazembe aime beaucoup garder les mêmes effectifs, la même effectif, pardon, chaque saison, et on voit les résultats en fait derrière ça. Mais avec club, vu les changements à chaque fois qu'il y a chaque saison, les résultats ne viennent pas en fait. Donc malgré qu'ils sont toujours dans les trois premiers du championnat, en Ligue des Champions, mais voilà, je pense que les supporters du club, ils ont besoin de voir des trophées, ils ont besoin de gagner en fait, davantage en fait. C'est vrai, l'avant-dernière fois, je crois, c'était V Club. Mais c'est pas encore ça. Il faut vraiment se maintenir encore à fond, à fond. Mais je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien la saison prochaine en Ligue des Champions ou au championnat. Surtout que cette saison, Fiston Maël est parmi les trois meilleurs buteurs de la Vodacom Liga. C'est vraiment quelque chose à féliciter, en tout cas. Quatre meilleurs ou trois meilleurs buteurs de la Vodacom Liga. Donc, c'est vraiment quelque chose à féliciter. On le souhaite que le meilleur, quoi. On souhaite que le meilleur pour le club. Donc, on va voir au retour du championnat quel choix la direction du club va prendre par rapport à leur effectif. Donc, c'est un peu ça mon avis sur ce sujet, en fait, mon confrère Marc Comba. En tout cas, merci. Allez, merci en tout cas, David Ndala. On revient à vous, votre dernier mot à tous ceux qui vous suivent à cet instant. Bon, voilà, Marc, un mot à ceux qui me suivent sur HeroTV dans Sport Plus. C'est d'abord un mot d'encouragement par rapport à la situation que nous traversons à la fois dans le monde, sur le continent et dans le pays. De suivre scrupuleusement les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi l'orientation du président de la République et surtout à la cellule de riposte contre la pandémie de coronavirus, mais aussi à tous les sportifs de continuer à travailler pendant cette période de confinement, à se remettre surtout en question si la saison n'a pas été la meilleure pour eux, et donc de penser revenir avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de volonté. Et très bon courage aussi à ceux qui suivent, qui vous suivent hein, à travers votre émission, et surtout bon courage aussi à vous, et on espère qu'on va se retrouver très prochainement. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé pour la toute première fois dans Sport Plus. Je suis très content de me savoir à l'ICASI. C'est très bien alors. Nous allons prendre aussi Glovis Kumpoyo, en fait, votre dernier mot dans cette émission de Sport Plus. On était en train de parler de l'SV Club. Oui, Marc, je suis très reconnaissant, en fait, encore une fois de plus pour la confiance accordée à nos analyses, surtout le plaisir et pour moi d'avoir partagé ce plateau avec les coachs Florent Ibenguet, David Ndala ou encore Fiston Maele, Patient Mutunda également, Gwilit Koba. Bien sûr, ce fut un réel plaisir. Je crois que ce n'est pas la dernière fois encore on aura à intervenir de temps à autre pour notre passage à l'ICASI ou encore des loin que nous sommes aujourd'hui. Et c'est encore un plaisir de partager avec tous les amoureux du sport sur les antennes de Hero TV. Merci à vous autant. Alors, Steve Mbala, votre dernier mot à tous ceux qui vous suivent en République démocratique du Congo, en dépit suisse. En tout cas, merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation, Marc Comba. Merci beaucoup aux téléspectateurs de Hero TV. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de participer à cette émission. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est pour la première fois que je passe à Lubumbashi. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, merci vraiment à toute l'équipe de Hero TV. Je passe les dédicaces aussi à ma fiancée. Que Dieu te bénisse, mon cœur. Je passe le coucou aussi à ma belle famille, à ma famille. Je dédicace la chef de l'effectif au niveau de Kinshasa, Léopard Infostat, Safi Walemou. Je dédicace les administrateurs, Merlino Jaguer, El Capo, Dachumbala, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment en ce moment. Je dédicace aussi David Katende. Je dédicace vraiment David Katende. Je dédicace vraiment tout mon entourage. Vraiment, je dédicace le duo Makumbu. Je dédicace tout mon entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dédicace aussi l'artiste Stanny Bembi, Jamais Topola. Et je dédicace aussi toutes les personnes qui sont dans mon cœur. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et je prends cette dédicace aussi à pichumangaya.cléboa.com. Merci.
C'est bien. Alors, nous allons prendre la deuxième partie de l'émission qui fera appel justement à trois autres invités des marques. C'est notamment Lucky Toko qui est membre du desk des sports d'Hero Télévision, ainsi que Honoré Ngandou avec aussi Patien Mutunda qui est analyste sportif au niveau des délicaties. Ils vont justement nous parler de la question des leurs. Aujourd'hui, l'Union Sportive Mpanabé 52 ne va pas retrouver la première division. Certes, la décision est tombée. La FECOFA vient de confirmer le tout-puissant Mazembe Anglebert sacré. En fait, c'est vient de sacrer le tout-puissant Mazembe Anglebert champion de la Vodacom Ligue 1. Et puis, en ce qui concerne la deuxième division, nous avons Étoile Jaune qui va retrouver la première division. Et justement, cette façon de juger le dossier... En tout cas, c'est critiqué par plus d'un analyste sportif. C'est notamment ceux de la ville montagneuse d'Olikasi. On va prendre Patient Mutunda, votre appréciation sur la décision de la FECOFA ainsi que celle de la Lina Foot. Bonjour Marc, est-ce que je suis en ligne? Voilà, très bien. Salut à tous les sportifs. Bonjour Marc, très ravi de retrouver cette grande équipe. J'ai dit bonjour à Steve Malade, de là où il est, en direct avec nous sur Hero Télévision. Bonjour à David Ndala, depuis Kinshasa, pourquoi pas à Glovic Boyo. Très ravi de vous retrouver les amis en cette matinée sabbatique pour qu'on parle sport, surtout en ce jour où beaucoup de débats autour de notre championnat. Marc, je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver cette grande équipe, sinon je suis ravi. Si j'ai bien suivi la question, c'est qu'il fallait d'abord qu'on arrête les championnats. J'étais en train de proposer cela aux dirigeants du football congolais parce que la santé n'a pas de prix, dit-on. Cette pandémie qui n'épargne personne, il fallait toujours agir avec souplesse et anticipation. Chose faite, donc coup de chapeau à tous ces dirigeants-là qui ont voulu qu'on arrête les championnats parce que c'était prévu qu'au mois de mai, qu'on puisse définitivement arrêter et avoir un champion. Mais curieusement, c'est les classements qu'on nous présente un classement de la honte. Pourquoi un classement de la honte? Parce qu'il fallait en principe avoir le même nombre de matchs joués. On nous sort un classement avec le TP Anglebert Mazembe qui est en tête pour 20 matchs joués seulement. Il y en a qui sont arrivés à 25. Sangamalende n'a que 18 matchs. Bazano 19, V-Club 23. Donc bref, c'est une cacophonie autour du classement qui est une cacophonie intentionnelle, tout simplement parce qu'on voulait ici, on ne va pas se voiler la face, favoriser certains clubs au détriment de certains autres. Je cite là, je pointe du doigt l'AS V-Club qui a connu une saison très très difficile. C'était une équipe décevante de l'AS V-Club qui se voit aujourd'hui s'être attribué la deuxième place qui n'est pas la sienne. Il faut qu'on se dise certaines vérités parce qu'on ne peut pas considérer une équipe qui a joué 23 matchs au même titre que celle qui n'a livré que 19, que 21. Donc bref, c'est un classement de la honte. À un certain moment, ça doit cesser. Les dirigeants de la Ligue nationale de football et ceux-là de la FECOFA doivent faire très très attention parce qu'avec cette allure, ils sont en train de fragiliser les footballs congolais. Tous ces temps, on était en train de se poser des questions. Pourquoi il n'y a que les TP Anglebert Mazembe qui représente valablement la République démocratique du Congo à l'interclub de la CAF? Eh bien, la réponse est tout à fait simple, parce que les champions de la Coupe du Congo et tous les qualifiés sont fabriqués. Marc Komba, c'est un classement de la honte. J'ai honte d'être congolais concernant ces côtés-là du football, la manière dont les intellectuels organisent les choses avec beaucoup de tendance, et je crois que c'est énervant. L'ASV Club doit avoir honte et je ne peux pas souhaiter des bonnes choses aux représentants de la RDC en interclub de la CAF, mis à part Mazembe. Et d'ailleurs, pour être sérieux envers nous-mêmes, et Mazembe, et Bazano, et le club Motema Pembe, Sangabalene, tous les clubs doivent se mettre ensemble pour aller refuser ces classements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Bazano qui est frappé. Demain ou après-demain, ça peut être Mazembe. Il ne faudrait pas laisser les seuls clubs qui se sentent lésés mener sa démarche seul. Il faudrait qu'il y ait cette solidarité de tout le monde pour dénoncer la façon, la légèreté avec laquelle on est en train de traiter les efforts fournis des uns. Parce que moi, je me mets à la place des dirigeants de la JS Group Bazano qui, sincèrement, devraient occuper soit la deuxième, la troisième ou la quatrième place. Ce sont les places qualificatives à l'interclub de la CAF la saison prochaine. Mais dommage, on a fabriqué un classement. On pouvait aller des différents critères. Par exemple, prendre le classement de la phase aller, là où nous voyons le TP Anglebert Mazembe champion,
comme Dauphin, la CS Group Bazano, troisième position Manier Magnon, quatrième position Dal Club Modima Pembe, soit encore y aller avec des ratios. Si vous faites des calculs avec la règle des trois simples ou la moyenne en statistique, vous comprendrez que V Club ne peut pas faire mieux que la cinquième place. Dommage, aujourd'hui, on présente le classement fantôme qui fait la honte du football congolais. Moi, je suis curieux de voir la réaction. J'attends impatiemment la réaction des dirigeants de la CAF par rapport à ce classement, parce que tout classement doit se faire accompagner de certains commentaires. Quel est le commentaire que les dirigeants de la FECOFA, quel est le commentaire que les dirigeants de la Ligue Foot doivent parvenir plutôt à la CAF pour justifier justement ces classements, parce que sincèrement, il était temps qu'on arrête les championnats, mais la façon de faire des choses était tendancieuse. Concernant la Ligue 2, je pense que c'est clair, les débats, ESPN n'en fait pas partie du débat, il faut qu'on soit sincère, même si nous sommes délicatifs, les débats c'est entre Blessing et Étoile Jaune de Lubumbashi, mais ici, encore une fois, ils ont été partiels, parce que c'est une information que je donne à certains d'autres le savent déjà, les dirigeants de la Ligue Foot sont les mêmes dirigeants. Quelques dirigeants de la Netfoot font partie des dirigeants de l'Étoile Jaune. Donc, ils ont réfléchi avec le cœur et non la tête. Ça signifie qu'ils se sont mis dans des positions confortables. Étoile Jaune, qui n'était pas premier, comment est-ce que cette formation peut occuper la première place? Mais s'il faudrait que je revienne en tant qu'analyste sportif de la ville d'Elikasi, je suis sincèrement déçu. Peut-être si le championnat avait connu sa fin normale, l'Union Sportive Pandabé 52 devrait se rattraper de son entame un tout petit peu ratée. Là, encore une fois, Marc, j'étais en train de le dire, l'équipe avait beaucoup tergiversé. Il y a eu changement de pratiquement toute l'équipe au niveau de l'effectif des joueurs. Ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir des ambitions. Aujourd'hui, l'Union Sportive Pandabé 52 est écartée du débat. Le débat, c'est entre Blessing FC et la formation des Étoiles Jaunes. Là aussi, on n'a pas bien pris les critères. Ça a été taillé sur mesure pour permettre à l'Étoile Jaune de se qualifier en première division. Donc pour moi, c'est clair, tous les dirigeants du football congolais doivent se mettre ensemble pour décourager ces genres de pratiques. Aujourd'hui, vous pouvez être favorisé, mais si c'est une autre équipe qui est favorisée à votre mal, à ce moment-là, vous allez vous sentir lésé. J'ai suivi sur les nets, j'ai échangé avec Félix Chibanza, qui est le directeur des communications de la GS Group Bassano. J'ai senti la désolation et ce manque-là de considération des efforts fournis par certains. Kassongo Mabouisha avec la GS Group Bazano, c'est une formation qui nous a fait rêver. Pour moi, c'est la révélation de cette Ligue Nationale de Football. Pourquoi ne pas encourager ces genres de prouesses? Donc c'est une équipe qui a fait preuve de beaucoup de volonté, qui a fait preuve de beaucoup d'abnégation pour enfin participer pour sa première fois en une compétition interclub de la CAF. Mais dommage, la Ligue Foot qui a été partielle, qui a été complaisante, avec des gens qui ont mis des côté la honte, parce que non, ils n'ont pas honte. Quand tu fais un classement comme ça et que tu les rends public, donc tu manques du respect au public congolais, tu manques du respect au football, tu n'as aucun cœur pour considérer les autres avec beaucoup de respect. Moi, je pense que c'est un peu désolant, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Personne d'autre ne viendra pour faire marcher normalement notre football. Il n'y a que nous-mêmes. Trop, c'est trop. Les dirigeants sportifs doivent porter plainte toutes ces personnes-là, en commençant par Constant Omari, qui est l'incarnation des mots, mots pluriels des mâles. C'est l'incarnation des mots. Il reste là, il reste à la tête de la FECOFA pour quel résultat? Toujours des mafias, toujours des histoires comme ça. Ça fâche, comprenez mon émotion. J'aime le football, j'aime l'équité. Il ne faudrait pas qu'on traite des dirigeants sportifs avec sentiment et ça dérange le football congolais. Non, dire que le président Rocky Kalonji n'a plus les moyens, ça serait faux, ça serait une fausse affirmation. Je crois que les joueurs ont été mis dans de très bonnes conditions sur les plans financiers. Ils n'ont pas réclamé des primes, ils étaient très bien rémunérés et la motivation sur les plans financiers était à 100%. Le problème, c'est les staffs techniques. Je l'ai dit tout au long de la saison, c'est les staffs techniques. On change. Il n'y avait pas un 11 fixe. On était en train d'échanger tous les jours beaucoup de tâtonnements pour un club qui avait l'ambition de jouer la Ligue 1. Et en ce moment-là, personne ne pouvait me croire. Et aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent me donner raison. Si vous prenez l'organisation de ESPN, c'est plus que certains clubs de la première division. ESPN assure les plans financiers, les joueurs étaient primés, ils avaient leur salaire à la fin de chaque mois, ils étaient internés au CLP, chaque fois je les côtoyais. C'est des gens qui ne se plaignaient pas sur les plans financiers. Le problème, c'est le côté technique. Et je pense qu'on doit se servir des leçons. En Europe, quand quelqu'un échoue, il y a des contrats d'objectifs. Vous avez l'ambition de ramener les clubs en première division. Si vous échouez, écoutez, monsieur, vous dégagez. Donc, pour moi, c'est clair. Les comités sportifs doivent se réunir incessamment pour prendre des mesures qui s'imposent afin d'avoir un staff technique qui répond aux attentes. On est en train de s'interroger. Pourquoi ESPN, qui fait partie des clubs historiques d'Elikasi, joue la Ligue nationale de football, mais le terrain du CLP n'était pas rempli?
pourquoi ESPN, qui est une grande formation, n'arrivait pas à nous produire les bons jeux? Pourquoi? Pourquoi échouer de battre des équipes comme New Sogène ici à Likasi? Donc c'était de telles questions qu'on était en train de se poser. Aujourd'hui que la saison est arrêtée, je pense qu'on ne peut pas revenir sur ce qui est fait. Ce qui est fait. L'avenir nous réserve encore beaucoup, beaucoup d'autres bonnes choses. Les comités sportifs doivent se réunir pour prendre des mesures qui s'imposent, avoir des joueurs, l'effectif. Même Liverpool qui arrive aujourd'hui à dominer l'Europe, le club est là depuis 4 ans. Donc il faut un programme pour dire que non, d'ici 3 ans, peut-être l'Union Sportive Panda B52 peut remporter la Coupe du Congo. C'est clair, la responsabilité, c'est les staffs techniques. Les staffs techniques n'ont pas réussi sa mission, celle de qualifier l'équipe en première division. Par conséquent, il faut prendre des mesures pour faire venir des gens qui seront capables de réussir à les faire. Parce que les staffs techniques avaient déjà un effectif. On a balayé presque tout le monde. On l'a ramené dans l'équipe des Pandas qui joue les championnats de l'entente urbaine de football de Likasi. On a fait venir des nouvelles têtes. Le temps de chercher la cohésion, les championnats étaient en train de se jouer déjà. Et donc, bref, des tâtonnements. On ne peut pas gérer un très grand club sur le plan technique avec beaucoup de tâtonnements. On doit savoir sur quel effectif c'est basé, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour créer la sensation. Donc, pour moi, c'est clair, les staffs techniques avec Chris Omtiti en tête est responsable de cette non-qualification de l'Union Sportive Panda B52. Mais du moins, par rapport à la Lina Foot, le débat c'est entre Blessing FC et la formation des Étoiles Jaunes. Encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, Étoiles Jaunes a été favorisée. On doit arrêter ça, on doit arrêter. Trop c'est trop, les dirigeants sportifs doivent porter plainte contre toutes ces personnes-là. Elles doivent dégager des instances du football congolais. Parce qu'ils nous prennent en otage, ils pensent que le football c'est eux. Au moment où ils sont en train d'échouer. Vous organisez un championnat, une équipe joue 25 matchs, une autre 18. Entre 25 et 18 c'est 7, 7 c'est 21 points. Et vous classez ces équipes-là de la même façon. Quelle médiocrité, entre nous soit dit. Passez-moi les termes, mais c'est de la médiocrité. Dans ce même championnat, vous jouez 25 matchs, les autres jouent 18 matchs, 21 points d'écart, mais vous classez ces clubs-là de la même façon, vous reléguez même, comme si cela ne suffisait pas, vous donnez une place qualificative à l'interclub de la CAF, à l'ASV Club. Honte au football congolais, l'ASV Club, c'est un club que je respecte beaucoup, qui nous a fait rêver avec 2 finales au passage, mais cette année, V-Club était à côté. Je pense qu'on doit refaire ces classements en respectant les normes du football. Merci Marc, merci aux amis. On va continuer à suivre ces dossiers de près. Je pense qu'on va se démener pour essayer de remettre les uns et les autres dans leurs droits. On ne peut pas se jouer du football congolais. Je suis très heureux de retrouver nos confrères sur ces plateaux, David Ndala, Glovic Mpoyo et Marc Komba. Je suis très ravi, très très sincèrement. Je vous remercie pour vos prestations XXL. Il faut continuer comme ça, on est ensemble. Surtout à la maison, observez les mesures barrières. La pandémie est là et elle tue. Voilà, sur la même question, Honoré Ngandou, il y a le tout-puissant Mazembe Angebert, ainsi que les clubs qui vont représenter la RDC dans la Ligue des Champions africaine et puis en Coupe de la Confédération, c'est finalement le Daring Club Motema Pembe ainsi que Maniema Union. Et en Ligue 2, il y a un problème, en tout cas, l'ICASI avait 2 de ses représentants, c'est notamment l'Union Sportive Mpanabe 52 ainsi que les Kilimanjaro. Aucun d'eux n'a su retrouver la première division. Comment trouvez-vous les jugements de la FECOFA quant à ce? Oui, Marco, bonjour à tout le monde, bonjour à Likitoko et aussi à Patient Mutunda ainsi qu'à David Ndala. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent. La décision qu'a donnée la FECOFA par rapport à cette question de la Vodacom League 1, c'est une décision pour moi impopulaire et aussi une décision décevante par rapport à ceux qui sont aux entraîneurs ainsi qu'au président des clubs qui se sont investis dans cette histoire. Et ils ont dépensé leur argent pour qu'à la fin, qu'ils aient au moins quelque chose de mieux, mais malheureusement, nous comprenons que nous sommes dans une situation d'exception. Cette situation d'exception demande aussi des mesures d'exception, mais des mesures d'exception doivent suivre aussi la loi. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui sur terrain, c'est autre chose. C'est les décisions qui sont prises, des décisions qui sont taillées sur mesure. Nous savons d'ailleurs dès le début que ces décisions ne devaient que favoriser les uns et peut-être nuire les autres. Aujourd'hui, le groupe Azano qui se retrouve
lésé par rapport à cette décision, une décision prise qui a favorisé les équipes qui n'ont rien donné, là, permettez-moi de le dire, qui n'ont rien donné dans cette saison sportive de 2019-2020. Le cas de l'ASV Club que nous avons vu titiber tout d'abord tout au départ de la, au début de la saison avec des défaites et des nuls matchs. Mais par rapport à cette équipe de groupe Bazzano qui a tout donné, qui a presté, qui a donné des bonnes prestations dans, sur l'air RDG aussi qui a aidé ou satisfait toute la population de la ville de la République démocratique du Congo, mais malheureusement ce que l'équipe a récolté au finish c'est la déception. Et ce qui a justifié d'ailleurs la déclaration de leur président qui a dit la saison prochaine si l'équipe s'engage encore dans la Vodacom Ligue 1, peut-être c'est avec Kasongo Mabwisha, chose qui ne va pas favoriser les championnats d'aller de l'avant. Moi, je crois que la FECOFOA devait se comporter comme étant l'église au milieu du village, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions. La décision qui devait être prise, c'est laquelle annuler la manche, donc la phase de retour. Ce qui a été joué dans la phase de retour devait être annulé. Prendre ce qui a été joué dans la phase aller, c'est-à-dire prendre la phase aller, le champion de la phase aller ainsi que son dauphin devait se retrouver dans la Ligue des champions d'Afrique. Le troisième devait se retrouver dans la Coupe de la Confédération et il devait être accompagné par les champions de la saison passée de la Coupe du Congo, c'est-à-dire le champion de la Coupe du Congo de la saison passée qui devait accompagner le troisième. Mais malheureusement, cette décision de la FECOFOA, pour moi qui sent l'odeur de l'argent, une décision qui sent l'odeur de la corruption, parce que déjà, ça a des répercussions dans des équipes qui ont joué, il y a des répercussions pour des équipes qui ont joué la Vodacom, donc la deuxième division, le championnat national de la deuxième division, le cas de l'IS Panda qui s'est retrouvé deuxième dans cette phase, dans toutes les deux phases, qui s'est retrouvé deuxième, et aussi Blessing qui était première, mais malheureusement il ne s'est pas aussi retrouvé dans ce classement. C'est le troisième de la Ligue 2 qui sera promis et va jouer la première division. Moi je crois que les dirigeants de la Linafoot ainsi que le dirigeant de la FECOFOA doivent revenir à leur décision, c'est-à-dire revoir leur décision et prendre une bonne décision qui va rencontrer les attentes de tout le monde, de tous les sportifs congolais. Et cette décision n'est pas vraiment saluée par les Congolais, c'est une décision impopulaire et qui sent l'odeur de l'argent, qui sent l'odeur de la corruption. Et aujourd'hui on nous dit la règle précise que à chaque fin de la saison, il y a trois équipes qui vont monter et trois équipes qui vont descendre. Aujourd'hui, on nous dit deux équipes vont descendre et les deux équipes vont monter. Le troisième équipe qui devait descendre, pourquoi? On ne nous donne pas de raisons viables et valables. On nous évoque la question de ne pas jouer le même nombre de matchs, alors que dans les championnats de la Ligue 1, les mêmes équipes, les équipes qui ont bénéficié de la Ligue des Champions et les équipes qui ont bénéficié de la Coupe de la Confédération n'ont pas joué le même nombre de matchs. Dans la Vodacom Ligue 2, les deux équipes qui ont bénéficié de la Première Ligue n'ont pas joué le même nombre de matchs. Mais à l'Est, on évoque cette question de jouer le même nombre de matchs. Moi, je crois que c'est une décision qui est vraiment impopulaire et cela doit être revu par le dirigeant du football congolais. Oui, une très mauvaise façon de diriger, une très mauvaise façon de voir les choses. Ce genre de choses ne va pas faciliter la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Nous envisageons un jour remporter la Coupe du Monde, mais pas avec de telles histoires, pas avec de telles organisations. Aujourd'hui, c'est donc pour les tout puissants Mazembe, on peut comprendre parce que l'équipe était largement en tête. L'équipe a défoncé les autres, mais malheureusement pour l'ASV Club qui ne devait pas se retrouver là où l'équipe s'est retrouvée, pour le Dering Club Motema Pembe non plus. Mais moi je crois que les dirigeants de club doivent changer parce que nous sommes dans une période où tout doit changer. Après Covid-19, nous voulons que même le football, dans le cadre du football, dans le cadre du sport en général, tout soit changé. Et ce que je peux aussi demander aux dirigeants de la ville de Likasi ainsi que les dirigeants du Haut-Katanga,
aujourd'hui, nous l'avons beaucoup décrié, le fait de négliger certains matchs, certaines rencontres. Le cas de l'IS Panda qui a négligé certaines rencontres au cours de la saison. Voilà, la chose les a rattrapés. L'IS Panda a négligé certains matchs qui devaient le faciliter d'avoir beaucoup de points et aussi de grimper sur les classements. Mais malheureusement, l'IS Panda ne l'a pas fait. Et voilà, aujourd'hui, il paye le pot cassé. Bon, ils n'ont qu'à comprendre et peut-être se préparer pour la saison prochaine parce que là, tous les carottes sont cuites, il n'y a rien à faire. Nous ne devons qu'on nous plier par rapport à la décision de la FECOFA parce que s'il faut aller encore en appel à la CAF, il faut engager beaucoup de moyens. Moi, je ne vois pas l'IS Panda ni Étoile Jaune ou Blessing aller en appel et engager tous ces moyens-là. Peut-être se préparer pour la saison prochaine et cela va permettre aux dirigeants aussi de prendre le tout avec beaucoup de sérieux pour essayer de voir, de revoir, peut-être de voir un jour leur club s'engager dans les interclubs de la CAF ou jouer la Vodacom Ligue 1. Merci Honoré. Voilà Luc, vous êtes en ligne, vous avez également suivi les propos des Honoré Ngandou. Que dites-vous par rapport à la décision de la FECOFA de déclarer, de sacrer le tout-puissant Mazembe champion, suivi de l'SV Club, et puis il y a Manye Maignan ainsi que le Daring Club Motema Pembe, donc ces quatre représentants de la RDC dans les interclubs de la CAF. Et aussi, au niveau de l'ICACI, Luc, est-ce que c'est vraiment d'une manière impartiale que la FECOFA a eu à juger bon d'envoyer Étoile Jaune en première division à lieu et place à d'autres équipes qui méritaient mieux aussi, selon certains? Oui Marc, c'est une décision que nous avons trouvée et même analysée nonchalante de la part de dirigeants de l'instance du football congolais. Bon, parce que nous étions justement en train de penser que la FECOFA allait prendre une décision raisonnable, mais jusque là nous avons trouvé que c'est une décision qui lèse les autres. Et bien j'ai dit donc bonjour à tous les confrères qui sont en direct avec moi justement dans cette émission Sport Plus. C'est notamment David Ndala, notamment Honoré Ngandou, il y a Passion Mutunda et tant d'autres. Et bien nous sommes en train de parler là de la décision de la FECOFA. D'abord c'était la Lina Foot qui avait concorté une proposition, et dans laquelle proposition on pouvait trouver le classement partiel de la Vodacom Division 1. Et bien c'était le tout puissant Mazembe qui était au trône, qui pouvait même être sacré champion. Mais bon, cette proposition a été déposée auprès de la FECOFA. D'abord pour la Lina Foot, c'était qu'il n'y aurait pas de relégués ni de promus. Mais la FECOFA a pris une décision mercredi, celle de reléguer l'équipe de Nyuki et Bukavu Dawa et promouvoir les deux équipes. C'est la JS, la jeunesse sportive de Kinshasa, et l'équipe Étoile Jaune de Lubumbashi qui évoluait dans la zone centre-sud. Dans laquelle zone centre-sud? Nous trouvons des équipes de Kolwezi, des équipes de Likasi et d'autres provinces, notamment celle de Mbujimayi. Mais ce qui nous étonne ici, c'est de voir l'équipe d'Étoile Jaune qui était deuxième au classement de la division 2 de la Lina Foot, justement, en dépit, même au détriment de l'équipe de Blessing qui comptait 37 points, donc une unité de plus que Étoile Jaune. Mais ici nous retrouvons que c'est Étoile Jaune qui est promue. Sur quels critères la Fédération Congolaise de Football pouvait promouvoir l'équipe de Étoile Jaune en lieu et place de celle Blessing? Nous demandons si c'est sur base des accointances qu'on va commencer à évoluer et à quand est-ce que la justice pourra s'installer dans l'évolution justement du football congolais, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous allons nous rappeler même lors des années précédentes, lors du match de la finale de la Coupe du Congo qui opposait le CS Don Bosco au FC Renaissance, parce que l'équipe des Renaissance avait assez de moyens et assez d'importance au niveau des dirigeants, au niveau des instances du football congolais, et cette équipe avait fini toujours par remporter la Coupe du Congo. Et même Maniema Union, nous nous demandons à quand est-ce que cette injustice pourra prendre fin ici en République démocratique du Congo. Et si nous révélons dans la première division, nous allons voir qu'il y a l'équipe louchoise
de groupe Bazano qui s'est donné corps et âme dans cette compétition. Elle a prouvé de quoi elle était capable d'abord lors de la phase aller. Elle a posé des difficultés, elle a posé assez de difficultés, d'énormes difficultés aux grands clubs, notamment à l'ASV Club, au tout puissant Mazembe. C'était difficile même au FC Saint-Laurent-du-Popo de battre cette équipe. Elle a donné de son meilleur dans la phase aller, mais bon, on ne sait pas sur quels critères la Fédération Congolaise de football s'est basée pour promouvoir et reléguer d'autres équipes et même prendre les classements partiels dans la Vodacom Division 1, dans la Lina Foot Division 1 et même la deuxième division. Parce que, à notre savoir, il y a trois critères. On considère que les championnats, en fait, la phase aller, lorsque les championnats connaissent une interruption, on va se baser sur la phase aller. C'est-à-dire, on considère le même nombre de matchs de toutes les équipes. On arrête au niveau de la phase aller, on prend les premiers, les deuxièmes et les troisièmes qui vont représenter le pays lors des interclubs prochains de la CAF. Et les deux derniers seront relégués. Le deuxième critère, je vais dire, ou la deuxième règle, c'est celle de se baser sur l'état actuel, en fait, à Beauvau, c'est-à-dire revenir à nouveau, annuler les championnats actuels et revenir à zéro, recommencer les tours. Ça qui n'a pas été choisi par la Fédération Congolaise de football. Mais moi, je pense que c'est une nouvelle critère qui a été adoptée parce qu'il y aurait des corruptions, il y aurait des accointances. Les dirigeants de l'équipe d'Étoiles Jaunes sont en bonne relation avec les dirigeants de la Fédération Congolaise de football. D'ailleurs, ils étaient même lors de la réunion, quand la FECOFA pouvait prendre la décision, ils étaient sur place à Kinshasa dans la dernière réunion que la FECOFA a organisée avec la Lina Foot. Ils étaient présents et nous ne savons pas si c'est là que toute la carte s'est jouée. Et bien, nous nous demandons quand est-ce que cette injustice pourra finir en République démocratique du Congo. Oui, concernant l'Union Sportive Panda, nous rappelons d'abord, en fait, généralement sur la grande question ici, nous rappelons tout le monde à la sérieuxité. Commençons par la hiérarchie, c'est-à-dire les dirigeants de la Fédération Congolaise de football, ceux de la Lina Foot, ceux de, au fait, du championnat provincial, et même revenir ici à l'entente urbaine de football d'Elikasi, parce que cette équipe provient justement d'ici. La grande chose qui ne nous a pas plu d'abord, c'est que même s'il y a des clubs, celle précisément Blessing qui va déposer une plainte contre la Fédération Congolaise de football, passant par la Lina Foot, entrer justement une lettre pour voir comment est-ce que les choses pourront se faire et changer même d'histoire, ce qui ne peut quand même pas se faire vu les temps. Et revenir à l'Union Sportive Panda B52, nous allons quand même voir les dirigeants parce qu'ils ne sont pas tout d'abord en communication directe avec la presse ou le média ici local, parce que vous allez voir que les dirigeants ne facilitent pas la tâche. Aussitôt, on le voit dans plusieurs villes, d'ailleurs à Kolwezi, à Lubumbashi et même à Kinshasa. Lorsque les équipes ont des difficultés, ont des problèmes, ils se fient directement aux médias en place pour en faire large diffusion. Mais ce qui n'est pas le cas ici à Likasi, vous allez voir que ce sont les médias qui vont chercher à ce que l'équipe qui représente leur ville puisse aller justement de l'avant, puisse retrouver la raison dans tout ce qui se trouve justement ici comme injustice. Mais bon, ce sont les dirigeants de ces clubs qui ne veulent pas faciliter la tâche à la presse, qui peut leur rendre la tâche facile. Donc nous ne comprenons pas jusque-là. Si les dirigeants de l'Union Sportive Panda B52 cautionnent cette injustice, ou s'ils veulent revendiquer, et nous nous demandons par quelle manière ils vont procéder pour trouver justice, ou s'ils vont se taire et constater l'injustice s'est passée comme ça dans la Lina Foot Division 2, dans laquelle compétition ils ont dépensé, déboursé beaucoup d'argent. Et moi, je pense que ce ne sera pas assez juste s'ils vont se taire et regarder la situation se passer. Le dernier mot, c'est appeler toutes les instances dirigeantes des football ici en République démocratique du Congo à la justesse et revenir dans les bons chemins. Les bons chemins, c'est-à-dire revoir leurs décisions. Premièrement, la FECOFA. Parce que c'est sur base d'aucun critère. Ces critères n'ont jamais existé. On n'a pas respecté les trois règlements pour nommer, ou même quand les championnats connaissent l'interruption, on n'a pas respecté. Moi, j'appelle les dirigeants de la Fédération Congolaise de football, ceux de la Lina Foot, à la sérieuxité, et même ceux d'ici à voir comment est-ce qu'ils peuvent introduire une lettre afin que les choses puissent redevenir à la normale. Voilà, merci donc Marc, merci à tous les confrères qui étaient justement en direct de cette émission Sport Plus. C'est un grand honneur qui nous a échu justement de les retrouver dans cette émission Sport Plus.
Merci à tous les invités. Vous nous avez suivis des partout en RDC, pourquoi pas dans les mondes entiers. C'était Sport Plus. Merci à cette forte équipe qui nous a permis justement de réaliser cette émission. Quant à moi, je vais vous retrouver très prochainement.